Pensez à tous réparer aussi, s'il vous plaît. Prêt. Donc nous partons en même temps que les CW pour info. C'est qui? C'est une autre guilde. Crystal Wave. D'accord, bah je connais quoi. Ils viennent de rentrer là tout juste. Alors, si je fais ça. Le beau domaine. Ah, t'es allé te chercher enfin, Az. Non, c'est celui que t'as avec la quête. Oui, bah t'es allé te chercher. Elle est vachement cool la lance. Ouais, moi je l'aime pas du tout. Quelle lance? La lance que Bodeman il a. C'est la lance 210. La relique. Moi je suis pas fan. Terriblement déçu. Je m'attendais à tellement mieux. Nous on a quand même on a réduit un bouquin avec un tir mouchon, alors s'il te plaît. Un décapsuleur de bouteille. Bah c'est pratique au moins. Ouais, c'est pour te bourrer la gueule quand t'as réussi ta quête. Ouais, j'ai réussi ma quête. Comme Ethylique. Bon, bah c'est plutôt cool déjà pour le parseur, honnêtement, c'est bien. Du coup, ouais, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à venir ce soir du coup, avec tout ce qu'avait été dit Stéphane. Mais comme je te l'ai dit, Anta, en plus, de toute façon, même s'il y avait eu Shora, qui n'est pas là au final, tu serais venu quand même. Parce qu'on va faire plusieurs tests, là, c'est pas le test final. Par contre, la semaine prochaine, on va voir en fonction là, des résultats, des trucs comme ça. Donc déjà, au niveau des PS, c'est bien, c'est que tout passe. On va partir sur un roadster tous. Par contre, honnêtement, ton DPS en démarrage de combat sur le... Comment ? Sur le... Le... Ah, j'y arriverai pas. Le mannequin. Sur le mannequin, merci beaucoup. Ça a vraiment été le plus haut pour l'instant que j'ai vu. Du coup, Anta, tu commences comment, en fait, ton par contre... combat, toi ? Oui, du coup, Ez ? La LB, on la laisse à Anta quand il a tous ses buffs, dans la logique. Bah, en fait... C'est lui qui a le plus gros burst. Je lance le piqué dragon, ensuite j'enchaîne percée puissante, litanie, du sang pour du sang, relâchement intérieur, donc je claque vraiment tous les buffs dès le départ. Et ensuite, ah, c'est pour ça que tu prends une j'enclenche sang dragon, et ensuite j'alterne le combo pulsion avec piqué dragon, piqué brisé chine et souffle de puissance. Ensuite, je mets un souffle de vie pour enchaîner avec la compétence, soit croix et griffe ou... percée tournoyante et voilà, c'est pour ça qu'au départ c'est violent, c'est parce que je lance tous les sauts et après je peux attendre que les sauts y reviennent. Alors moi ce que je fais c'est j'arrive sur le combat, je balance des puissantes, ensuite je fais relâchement intérieur,
j'enchaîne avec pulsion. Ensuite je lance mon du sang pour et percée chaotique. Ensuite je fais mon souffle de puissance. Je lance la double percée. Ensuite je fais un saut. Un saut en général il me fait du 4000. Ouais. Ensuite ce que je fais c'est que après ça je lance percée véritable. Bien sûr avant j'ai lancé les centres du dragon. Hein. Juste ouais. Sur le centre du dragon j'ai dit. Ensuite c'est percée véritable. Avec percée véritable je fais le saut du piquet du dragon. Ensuite la percée fort pâle. Ouais. Bien sûr souffle de vie. Percée totale. Et ensuite je saute avec piqué cri brisé chine. Et ensuite je recommence. Ensuite j'enchaîne avec percée véritable et la suite. Je fais pulsion. Ensuite je relance une percée puissante. Enfin j'enchaîne ça. Ouais. Parce que je te montrerai sur un mannequin ce que ça nous ferait la prochaine fois. Ok, moi j'en veux vraiment du lourd dès le départ et ensuite bah, ça devient un petit peu plus léger. C'est pour ça que moi j'ai envie de lancer tout de suite, comme ça t'as un DPS plus constant, peut-être un peu moins puissant mais plus constant. Ouais. Lili l'agressivité quoi. Mais quoi encore? Pas besoin de m'encufler, j'ai autant. Mais c'est vrai. J'ai dit mais merci pour l'attention. Voilà. Voilà. Oui, je prenais des notes. Parce que c'est de professionnel. Donc j'arrive. Donc même consigne que la dernière fois, on parle très peu, on parle quand on a un truc à dire important. Et on laisse le red lead se charger des infos. Déjà ici dans le groupe, je pense que tout le monde a passé au moins Flo avec nous pour le test. Non. Donc du coup j'expliquerai globalement sur Faust les trois positionnements et ce qui va se passer dedans. Alors si on passe après je ferai un arrêt et je redécrirai ce qu'il faut communiquer parce que je considère que vous avez tous regardé la strat sur internet. Je réexpliquerai quand même globalement mais c'est surtout ce qu'il faut annoncer parce que c'est les heals qui ont besoin de savoir l'information sur l'oppresseur. Si l'information passe pas vous mourrez simplement. Je vois mal Lily ou Asayo deviner que vous allez choper le missile hyprothermique et devoir vouiller pendant le casse du bazar. Ils sont pas au courant. Ok. Tiens, je tiens aussi à repréciser juste une information, mais je pense que Sarah l'aura redit après. Là, on est sur le roadster fixe, on est sur des tests encore. Ouais. Si on le passe, c'est très très bien. Là, le but vraiment de voir, en même temps, ça vous apprendre pour la semaine prochaine, vous aurez un avantage. C'est-à-dire que vous aurez vu comment ça se fait, etc. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes. Ouais. User left your channel. Ou pas. Ou pas. Lily vient de faire un knife court. User joined your channel. Un jour, j'arriverai à arrêter de me bouffer comme ça, sans raison. Ok, je vous switch tous en raid. User was moved out of your channel. 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 Channel switched. Voilà. Alors a priority speaker, c'est bon. Voilà, voilà, c'est fait. Beaucoup. Tout dans mon inventaire. Bon, tant il prenait, je sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. Qui en appelle de préparer. Personne. Enfin, tu dis qu'il n'est pas là, il va pas te répondre. Voilà. Tout le monde est là.
pendant que tu... Je vais mettre les marques au sol. Tu les mets pas? Je vais les mettre, je vais les mettre. Hein. Il faut que j'attende que le truc soit ouvert. Apparemment, c'est la première tentative de Saint-Jacques. Ouais. On verra s'il dépèse plus que Fatum. Alors, on attend avant de lancer. Hein. Voilà. Alors, moi je tanque en A, je prends Faust. Nia tanque les Adam B. Et tous les DPS se tapent en C. Essayez quand même de vous paquer pas trop loin les uns des autres pour que Nia n'ait pas à faire 4 km pour aller chercher un AD si besoin. Globalement, au début, comment ça va se passer? Pendant la phase de départ, donc c'est Lily qui va solo heal et Asayo qui va maintenir en vie. Enfin, maintenir en vie, qui va faire du DPS, pardon, excusez-moi, je me perds dans ma truc. Donc là, ça passe en DPS. Donc Eza, tu vas faire ton Requiem sur Faust dès le départ, jusqu'à ce que Asayo te signale qu'il a fini sa phase DPS, qui arrive généralement à 3 ou 4 stacks, si je me souviens bien. Quatrième poupée. Quatrième poupée. À ce moment-là. Tu peux te stopper. Voilà. Donc Lily s'occupera de Shuri et Asayo de moi. Pendant les phases de healing. Tu remettras aussi Eza un Requiem quand je mettrai l'invincible pour optimiser. Enfin, sur la fin, pour optimiser le DPS d'Asayo s'il repasse en DPS à ce moment-là. Donc il te signalera s'il est capable ou pas de repasser. Et Sorja aussi, forcément, mais on peut pas mettre le Requiem allié pendant tout le combat. Pardon. Donc, je dirais que tu vas optimiser oui, par défaut celui de Sorja et Shorayo s'il était là par exemple. Mais pour ne pas mettre le Requiem Alien n'importe où, on va le mettre à ces phases là. Si tu considères que tu peux le mettre une fois de plus, n'hésite pas. Hein. Tu le mets une fois de plus pendant le combat, il y a Sorja, ça lui sera bénéfique. Donc, ça c'est à toi de voir, Eza. Ça marche. Voilà. Pour le reste, les autres, ben, c'est la routine, on tape tout ce qu'on a et il faut qu'on arrive à le tomber avant 1 minute 30. Bon, ready pour tout le monde. Non, n'oublie pas qu'avant de lancer, que je dois changer. Bien sûr. Voilà, fais tes buffs et dès que c'est fait, je lance. Il me dit top. Top. Alors c'est wipe à 7 stacks, je ferai les nombres de stacks à chaque fois. Premier stack. Deuxième stack. Troisième. Je repasse en heal. Quatrième stack. Cinquième. Sixième stack, je fais la fin invincible là, c'est dur. Ouais, mais j'ai plus de mana. Ouais, c'est pas grave, ça te laisse au moins le temps. Il est pas parti. Septième stack, en rage après.
Hausse de pression. Test stack. Les dots allaient le terminer en plus. Mais t'en avais bon, t'as dit qu'il était pas parti. Non mais il est parti plus tard. Il est parti plus tard, mais je l'ai tapé quand même. Là on va refaire un travis en invincible. Si ça passe pas, on attendra l'invincible et je le taperai quand il fera la hausse de pression. 4 minutes pour m'avener, hein. 3 minutes. Ouais. Attends. On va attendre les 3 minutes. Je vais attendre. Moi aussi j'ai besoin de recharge. On va attendre. Pour être optimisé, faut que j'ai deux stacks de plus d'éther de près. 1, donc ça va encore une minute pour moi. On était vraiment pas loin. Hein. Ouais, c'est limite encore. Hein. C'est limite, je veux dire, si c'était passé comme ça, on passait pas l'oppresseur. Hein. Mais on va essayer de refaire bien propre. Après, l'objectif de cette soirée, c'est plus d'aller tâter l'oppresseur pour voir comment ça se passe. Parce que là, je pense que si tu tapes bouffe plus potion sur Faust et l'oppresseur, ça passe sans souci. Là, l'oppresseur passait avec la bouffe, hein. De Faust. Ouais. Mais après, ça me ferait du mal de passer Faust avec juste la bouffe, mais on limite quand même, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Que l'oppresseur est quand même plus dur que Faust. Si on sait faire Faust sans utiliser de bouffe, c'est parfait. Hein. Je sais bien que pour être dans les temps sur l'oppresseur. Il faut qu'on arrive à 58% des PV du boss quand il invoque le deuxième. Sinon ça devient un petit peu juste. 2 minutes encore. Désolé. Hein. Non, t'inquiète. De toute façon, mon invincible, c'est un très 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 long CD. 300 minutes, 300 secondes, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, 300 secondes. Comme la béné. 420 secondes l'invincible, 420 secondes. 420 c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus. L'homme gang est plus court. Ouais, mais il dure que 6 secondes. Ouais, il dure moins longtemps. Ouais, et moi il dure 300 secondes, mais si tu me hit pas, je suis mort. Ouais. Ouais, comme je disais, l'invincible le plus faible des 3, c'est sur le chevalier noir, ça par contre. Il a d'autres avantages, hein, mais l'invincible est le plus faible, ce chevalier noir. C'est comme celui du guerrier, mais sans les effets positifs. Et t'es obligé d'être heal derrière. Par contre, ils auraient fait le fait que tu tombes à 1 PV après n'avoir rien pris du tout pendant un certain temps, peut-être. Ça va être bon pour moi. J'attends le top de Sorja aussi et ben les buffs de Lily aussi. Pour moi, c'est bon. Hein. Ok, moi, dès qu'il passe en dessous d'une minute, ça sera bon. Que après le temps de claquer, je l'ai sur la fin. Intégrer un extra dans ma rotation, mais ça va être mieux. Là, ici, le seul truc, la seule gêne que j'ai, c'est qu'on aura qu'un seul virus sur l'oppresseur. Non, moi je peux en mettre un. Enfin, à ce moment-là. Mais je me demande si tu seras pas beaucoup plus occupé sur le heal, parce que tout le monde prend des dégâts tout le temps. Mon virus, si tant que je suis sur toi, et Sorja fait le virus sur le point 5 et moi sur le point standard. J'ai pas besoin de changer de cible, dès que je te cible, j'envoie sur la personne qui cible. Ah ouais, d'accord. Donc ça va très vite, c'est une minute à appuyer, c'est bon pour moi. À ce moment-là, on y va. J'ai toujours pas l'invincible, mais on va y aller quand même. J'attends le top de Lily. Vas-y. On arrive au premier stack. On arrive au deuxième.
troisième, je commence à pas trop décider. Je repasse en heal. J'ai encore le sentinelle, hein, ça y est. Je sais, c'est pour ça que je me permets de faire un buff. À 4. J'attends un petit peu, peut-être que j'aurai l'avancée pour le 7ème, je promets rien. Septième stack. Nia, ça me tape dessus. Hausse de pression. Ah non, je l'ai pas encore. Je viens de claquer ma béné, moi. Hausse à 1%. Ah, les dots auraient eu raison de lui. Pareil train. On manque un tout petit peu de DPS. Je vais essayer d'optimiser à ce niveau-là, de mon côté aussi. J'arrive pas à par exemple, tu vois, je pourrais te dire que ça passerait à 100% si t'avais à la place d'un des deux dragons un ninja qui mettait la vulnée. Ouais. Là, ça passe d'office. Est-ce que vous êtes mis d'accord, Fadar et Antado, pour la litanie, pour pas la claquer en même temps? Déjà. Pourquoi la claquer tous les deux là? Non, hein, qu'il la claque, non, non, non. C'est pour qu'il n'y ait pas de litanie, ça sert à rien, ça se stack oui, pas. Juste... Donc non. Par exemple, Fadar il lance la première et Antano il lance quand moi je repasse en heal. Quand je... Ça, elle dure combien de temps ta litanie? La litanie, c'est 20 secondes. Ok, et ben. Vous avez pas une macro qui prévient fin de litanie? J'en ai pas sur la litanie. Mais... Ok, Fadar ou Anta, qui se sent plus capable de prévenir au bout des 20 secondes, dire litanie finie pour que au l'autre pire, pendant, en attendant les... en attendant mes petits CD, aussi. Écrivez vite une macro sur votre litanie. Hein. Vous faites si... slash AC litanie et puis un petit SE1 et on n'en parle plus. Wait 20 et puis c'est tout. Hein. Attends, je vais te l'écrire, bouge pas. Slash AC litanie. En fait, c'est entre guillemets litanie. Oui, c'est entre guillemets litanie. Et après, tu mets entre. Crochet. Comment? Entre ces trucs-là, tu mets wait 20. Wait et à la fin. Limite, ce que tu peux faire, c'est un truc genre S11 on. Et puis après, tu mets. Ça. Et à la fin, tu mets voilà. Donc ça, t'as un son pour dire que c'est on, puis tu attends 20 secondes et tu dis un son pour dire qu'elle est terminée. Par contre, quand vous lancez un spell avec une macro, et ça c'est un tout petit peu gênant, ne bougez plus. C'est important. Ouais. Comment ça? En fait, si tu fais un pas sur le côté, ça annule ton attaque, même si c'est une instantanée. Parce qu'il faut le temps de lecture de la macro en fait. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure mon invincible n'était pas parti, parce que j'avais fait un pas sur le côté, donc du coup il n'est pas parti. Ok, alors si j'ai un qui est habitué. Wait. Pour faire un wait, c'est wait quoi? C'est wait.20. C'est point le 20. Wait 20 par exemple. Qu'il a... Ouais, là je te l'ai écrit dans la. Sans dans point, sans slash, sans rien, juste wait.20. Donc les deux premiers tirés, faut mettre litanie dedans.
Non, en fait tu dois mettre slash AC pour dire que tu vas lancer ton sort, c'est pour à la macro. Espace entre guillemets litanie. Ensuite entre les deux premiers guillemets j'avais dit mettre genre comme le SE11 pour faire un bruit. Et puis tu mets on pour dire que t'as lancé ta litanie. Donc globalement, enfin le problème c'est que je peux pas t'écrire la truc, donc tu mets un slash devant ça. Tu mets slash AC litanie. Tu fais un retour à la ligne. Là t'écris SE11 on, puis tu fais un retour à la ligne, tu mets wait 20, tu fais un retour à la ligne, tu mets off SE11. Globalement ça lance ta litanie, ça l'affiche dans le chat d'équipe on. Oui. T'attends 20 secondes, et puis ça affiche dans le chat d'équipe off, et on sait que c'est fini. Quand vous voulez, hein, pour moi. Ouais, moi c'est pareil, tous mes CD sont réduits. Vous direz quand les... Et Sorja a 3 stacks de flux d'éther, donc c'est bon. Toujours pas de balance. Ouais, je te laisse piocher. Hein. Attends, je sens partout. Mais merde. Je vous avoue que j'aimerais bien tomber Faust sans bouffe. Même si c'est limite. Du sang sur le canapé, excuse-moi. Pas de soucis. T'es juste en train de mourir, c'est pas grave. Tant qu'il nettoie le canapé, tout va bien. Je reviens dans 3 secondes. Non, c'est pas possible. Il a la même couleur que les cheveux de Liara. Bon, demain je les change. Les changes déjà demain? De quoi? Les changes déjà demain? Ouais. Mantin, ce qu'on fait, c'est... Rose bonbon. Non. Oui. Rose bonbon. Je vais continuer sur moi, elle va faire. Rose bonbon. Ah, ça ira peut-être mieux sans casque, tiens, je vais l'enlever. Ouais. Dès que je vois qu'il n'y a plus. Il y a plus un. Hop, dès que tu vois que ça gueule, à toi Fado dans le chat, tu la balances. D'accord. Voilà. Moi je suis. Attends, je vérifie quand même que j'ai mis. Impossible. Ma gère. Oui. Ah, attends, je vais quand même rajouter un bruit sinon c'est. Allez, Sarah, grand max, je peux en claquer deux recul. Il n'est pas encore là, je crois. Ah si, c'est Sarah qui est là, mais c'est... Voilà. Ouais, excusez-moi, pardon. Mais quelle idée de foutre du sang sur ton canapé. Ouais. Quelle idée de saigner. Du coup, je rebuffe et c'est parti. Ah, ça y est, la balance. Quand vous voulez. C'est bon. Si Sarah est revenu. Bah, ce n'est pas bon. Vous n'étiez pas sûr.
Sarah. Ah, c'est moi Sarah. D'abord. Hein? Il est d'abord saigné sur le canapé aussi. C'est pas moi, c'est parce que j'ai tapé trop fort Clem là, et je suis sur le sol. Il y en a pas beaucoup qui ont ri, je pense qu'ils sont en train de se demander si c'est vrai ou pas. À force, on me serait même plus étonné. C'est méchant. C'est pour ça. Je suis sûr que t'es un fou. En fait, c'est un homme battu, mais il ose pas lire. Bien sûr. Même tu peux leur dire bonjour en criant parce qu'ils ont pas. Salut, je ne suis pas morte, je souffre atrocement, mais je suis encore vivante. Tu vois. Elle avait l'air de souffrir, bon, bah, moi, c'est rassurant. C'est rassurant, non mais s'il te plaît quand même. Non parce qu'il y en a un qui dit au moins c'est rassurant. Enfin, moi. Ez il m'a déjà vu IRL donc ça va. Ouais t'es assez malade hein. Oui je sais. Mais pas de là de la tuer. Non bon. Juste lui casser un nez ou une fois ou deux. Je suis sûr qu'il a écrit le texte sur une feuille et puis il a venu. D'ailleurs il écrit très mal au passage. Un texte. J'écris aussi mal qu'est beau ton personnage en fait. J'écris très excuse-moi, mal. Excuse-moi, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une tenue à 2 millions. Je l'ai pas acheté. Hein? Je l'ai de pas joie. Acheté, je l'ai fait craft. Ouais. Tu vas nous faire une petite danse là? C'est vrai qu'en attendant. Hey. Je dois encore avouer à Sarah que j'ai strictement rien compris à sa vidéo. Je sais pas chier. Du clipping. J'attends juste Sarah. Bah. Moi c'était Clémentine, c'est pour ça je suis désolé. Pas de soucis. Ouais. Oui, je te jure. Toujours pareil. T'as les animaux de compagnie sur. Ah non, moi là, mon chien il a retourné tout le garage parce qu'il a, il a trouvé où était ses grains. Le sorgia est parti fumer une clope peut-être, non, non? Non, ça va. Parfait. J'attends avec toi en fait. J'attends Lucas de Lily et on est parti. Voilà. Merde. Putain. Ouais, il y a une couille. J'ai pas vu le Titanic. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait j'ai dû faire une faute dans la macro et donc du coup elle marche pas. Préviens-nous juste quand elle est finie et puis voilà. C'est pas fini, t'inquiète oui, pas. Oui, t'inquiète, je sais. Un stack. J'ai l'aggro. Honnêtement, là je pense que c'est déjà foutu. Perdez pas du temps en wheel hein, par contre. La troisième poupée. Troisième. On est un peu moins bien que tout à l'heure. Ouais. Non mais de toute façon moi j'ai fait un faux départ et j'ai fait n'importe quoi. Donc... C'est la cinquième. On va arriver à 4 stacks. 4 stacks. Sentinelle forteresse. Cinq stacks.
Honnêtement, je suis désolé d'avoir chié. C'est pas grave. On va voir ça après. Sixième stack. On est moins, beaucoup moins bon que tout à l'heure, je claque pas la bénée. Hein, ouais, t'inquiète. Ça évitera qu'on attende. Septième stack. Mort. Ouais, c'est mort. Oui, j'ai soigné Sarah, alors je t'ai pas soigné. Pause de pression, enrage. Bon, toi tu veux bien descendre de là s'il te plaît? Ça c'est bon, j'espère. Qui a claqué éventuellement un gros CD? Moi si on peut attendre une... Deux minutes moi, combat, pas le choix. L'effet du réQM c'est bon. Ok, on attend deux minutes. Bah moi je sais l'attente de la litanie. Cette fois-ci je n'FK pas. Le chien peut tout retourner ce qu'il veut, je ne partirai pas d'ici. Du coup, déjà... ta macro elle est rédigée comment? Je vais essayer la mienne. Ok, premier argument de l'action. Correct. Ok, en fait t'as mal écrit litanie. Faut écrire litanie en entier. Oui, il faut écrire litanie en entier. Et, litanie combattante. Ce que tu peux faire, c'est pour pas te tromper, tu glisses ton spell dans le dans la macro. Oh putain, j'ai mis un espace de trop. Oh le. Oh mais putain. Pas grave. Ok, c'est pas grave. Quoi, un espace, ça fout tout en l'air. Ah oui, bah c'est sensible à la casse, qu'on dit en informatique, en dano. Voyons, je crois que tu fais des études là-dedans. Oui, bah justement, je m'en suis malheureusement rendu compte. Alors, est-ce que c'est... Par contre, ce qui est chiant, c'est quand c'est en balcon, ça te dit pas combien de temps il reste. D'ici, normalement. Bah non. Il t'affiche pas les secondes, mais tu as le CD sous forme de gros truc qui tourne, ouais, gros qui tourne. Voilà. Ah, ça a lancé automatiquement. Ah, d'accord. Ah, c'est 3 minutes. Ah oui, ça le lance automatiquement. Ça la lance, mais ça fait pas tout en entier. Ça lance, mais ça fait pas le truc en entier, comment ça? Bah ça fait pas les wait. T'as pas mis le wait. Ah les wait, je vois pas. Les wait ne se le wait, tu ne le vois pas. Hein. Et en fait, parce le wait, il a fait directement le off. Hein. Ouais. Dans... Comment je pourrais faire ça? Bah, le off est tombé au bon moment en tout cas. Alors regarde par exemple, quand je fais ma macro de pool, tu vois, t'as un wait 1 entre chaque texte. C'est bon pour moi. Au pire, si ton wait ne marche pas, tu peux faire un retour à la ligne et faire ça. Slash wait 20. Et limite, si tu veux mettre plus précis, tu peux mettre moins 20 au point 00. J'aimerais bien essayer ma macro, mais. Vous avez le temps, au pire, on peut tester. On a 61 minutes en sachant que celui-ci prend 1 minute 30 maximum et que le boss final prend 8 minutes 30. Ouais mais c'est 3000 de recharge à Itani. Ouais c'est 1 minute de recharge à Itani. 4, 3, 2, 1, tac. Elle est quand même cool ta macro Sarge. Bon bah du coup au moins maintenant elle est fonctionnelle. Et faut attendre. On va attendre le 3 minutes. L'autre qui fait ça dans Stave Narvoise, tranquille. En plus, dans cette tenue là, c'est tellement. Ça fait pute quoi. Oh, dis donc. C'est la danse qui va avec la pute. Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, bon, déjà rien que ta tenue, c'était pas top top, mais. Excuse-moi, tu veux qu'on parle de tes cheveux, Morbi? Non, mais au final, c'est quand même moins moche que ce que je pensais. Peut-être la teinte un tout petit peu trop claire. Oh, je le fais. Ouais,
Ouais, mon perso est beaucoup plus rapide que toi pour la danse. Plus petit. Sûr que c'est pas l'effet parce de la que t'as robe. Plus de dextérité. Oh merde, je regarde, c'est mon chien à moi qui bat, putain. Bah oui, il y a même une. C'est bon. En fait, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'amener Sorja dans Alexander? Elle serait bien capable d'aller toucher le cœur après, d'être possédée par le primordial après. Pourquoi la Lituania a été relancée? Je crois que tu me suis chier. Non, c'était moi, j'essayais mon macro. En fait, si tu veux l'essayer, faut retirer la item. Il faut faire un slash devant le wait. Il faut faire un slash devant le wait. Slash wait. Ah, moi je fais ça devant mon wait. On peut mettre d'espace ou on peut mettre un espace? Non, il faut un espace. Il faut un espace entre le wait et le temps, mais il faut un slash avant le wait qui soit collé au W. Ah, okay. J'ai oublié un point. T'es pas obligé de mettre une ligne pour le wait, hein. Oui, mais si son wait ne marche pas... Ouais, tu peux mettre comme ça aussi, wait 0-0. Tu peux mettre le wait en... côté de la commande directement. On attend que l'Italie revienne, là, c'est ça? Oui, on attend que l'Italie revienne. Après, tu vois, quand tu découvres les macros, tu peux tellement t'amuser, quoi. Ready. C'est celle que je tape à chaque fois que je fais un mini smart maintenant. Je dis même pas bonjour, c'est ça. Bon, je dis après, on va tous sur Tordan, c'est ça? Oui? Ouais. Il faut arrêter d'en avoir peur, on peut au moins aller checker un œil, mourir en phase 1 et puis se barrer. Oui. Bon, on fait Bahamut. Hein? Oui, en Bahamut, qui est plus bien notre portée. Ah, on peut faire Gemelia. Mais j'ai pas encore, il faudra juste me laisser peut-être 10 minutes que je regarde la cinématique, enfin la vidéo. Alors beaucoup plus que 10 minutes pour assimiler la strat. Ah, là je mets plus 1. Mais non, je la regarde en plus ou moins et on y va YOLO, hein. C'est bon. Hey, on est mal, on est mal. Ouais, t'as pas fait, j'ai fait les 4 étages hier. Avec Shurayo et Asayo. Et Nia aussi. Et Fadar. On a fait les étages, la sphère de l'étage 2. C'est plus dur à faire en unsync qu'en sync parce que tu DPS tellement fort que t'as même pas le temps de tuer les ZAD qui la buff. Je te l'ai dit, il faut d'abord buter toutes les sphères avant d'aller faire le boss pour Il faut même attendre, faut attendre d'ailleurs. T'attends quasiment 10 minutes devant le boss avant de. J'en suis à 3924 heures de jeu. Bien. T'es comment tu fais? Lâche tes jeux. Lâche tes jeux? Bah avec un slash avant. Je fais qu'à 100 jours. 21h 12 minutes. Combien de jours? 65 jours, 19h sous 24 minutes. 45 jours, 12h, 50 minutes. 163 jours, 12h et 45 minutes. Et le nombre de tarifs, tu retires la moitié du temps à une tasse. Voilà. Passe tes journées FK aussi. Oui, tu te lèves le matin, tu log. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse partie d'AFK quand même. Ah, c'est comme sur TSW, j'ai 5000 heures de jeu. Mais c'est tout le temps que j'ai passé en RP en fait. Donc j'ai rien fait de constructif à part RP. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Yes. Ouais. Oui, tant. My litany is ready. Ok. Moi aussi. Alors on est bon. Qui la claque en premier, vite, choisissez. Quentin. C'est moi. Ok. Je saurai quand il m'aura. Après ça. Moi je marche. Ça c'est un léger problème, Nia. En fait, est-ce qu'il fait trop fort? Un stack. Ah, c'est pas beau.
deuxième stack. Troisième stack, je commence les CD. Je passe en DPS. Tunnel. 4 stacks. Passe en DPS. En heal. Stack. Dix. Passera pas. Non, on passera pas. Ils se sont acharnés, elles m'ont tué trois fois mon Garuda. Pas pourquoi. 7ème stack. On fait l'aggro hein, sur les. Oui, mais j'ai perdu trois fois mon Garuda. Il n'a pas une très tournée. Mort. Mais ça sert à rien. Merci, mais. Ton Garuda s'est mis à côté de Nia en fait parce qu'il avait pas passé la porte. Et du coup, il s'est pris tous les cleaves au début. Il peut pas quoi? Il s'est mis juste à côté. En fait, il était en dehors de la salle. Bon, du coup, quand il a commencé le combat, il a été stoppé. Normalement, c'est pas possible parce que c'est la première chose que je fais, c'est de l'envoyer. C'est la première commande avant d'attaquer, c'est que je fais placement. Je le place sur la zone. Attends, j'ai une idée. Et on a fait comment là pour se foirer? La mort du Garuda, hein, ça fait enlever énormément de DPS. On enlève surtout le bonus des dots, hein. Ça me foire mes rotations. Alors, en tête et âme, je vais changer un truc. Essaie un peu peut-être de mettre. Je sais pas s'il est à portée hein, là où je vais mettre, mais tu saurais mettre ton Garuda là, tu penses? Oui, hein, je peux le mettre là. Que ça là, il est vraiment en dehors de tout, il n'y a aucune poupée qui va le taper ni rien. On est vraiment sûr. Hein. Et s'il y a une poupée qui le tape, ben Nia le voit tout de suite qu'il l'a pas. Je le place là où on va en fait. Hein. Ouais, mais au pire, t'as plus un peu à côté, tu vois, ça gêne pas l'AD en soi. C'est plus pour que vous preniez le heal, les heals de zone s'il y en a besoin. Bon, bah, encore une fois, dans le top de l'IARA, on est reparti. Ouais. On a réussi à le descendre presque 1% avec le petit de la Nitani, ça devrait passer. Arrête Fadar, tu vas prendre l'aggro, on va tous mourir. Sûr, si on lance tous en même temps, il va mourir. Et puis quand on est à vrai, on balance un javelot. On lance pas quelque chose. On va pas tarder à aller. Ouais. Il est parti.
de stack. Stack, je commence avec rempart. Je repasse en ligne. J'arrive. Hein. Quatrième stack. On est très bien là, les gars. Allez-y. Cinquième stack, sentinelle. Sixième stack. Septième, j'attends la haute pression et invincible. Haute pression. Il est mort. Mort. On l'a battu. Ouais, c'est... Oh, ouais. C'est très 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 juste. Ça sera pas la phase suivante. Hein. L'oppresseur on le passera pas, mais on peut au moins aller voir un peu ce que ça donne. Comme je le rappelle, on n'utilise pas de bouffe. Hein. Mm-hmm. Mais ça serait quand même bien de pouvoir le passer sans être aussi limite sans bouffe. Est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'on le recommence vite fait? En plus, on est à 47 minutes, on le recommence vite fait. Bon, on va quand même taper un peu de l'oppresseur, quitte à fou pour au moins checker un peu la strat de celui-ci, non? Ah oh ouais. Tu sais qu'il n'a pas encore eu. Non, c'est la première fois que j'ai réussi. C'est la deuxième fois que j'arrive là. Bon, tu veux le tanker au sud et je prends le nord, hein, du coup. Enfin, je prends le sud et tu prends le nord, je pense. Ouais, donc tu prends. Je prends le principal. Alors, on va diviser donc Antano et Fadar sur des oppresseurs différents déjà. Quand ça va arriver. On arrive jusque là. Donc, on va dire qu'on va avoir Fadar et Eza. Non, ça va pas aller, il y a un problème. J'avais tout prévu avec Shorayo en plus, mais là c'est un autre problème. Donc toujours Asayo sur moi, Lily sur Shori. On va mettre Fadar sur un et Antano sur l'autre. Et du coup, je vais mettre Eza avec Fadar et Sorja avec Antano. Eza, je te demanderais peut-être de taper de switcher rapidement sur un autre oppresseur pour taper le buff pour Sorja. Au pire, dès que la Lichvanie je l'ai prise là, enfin, la portée, je me rapproche de Sorja et je claque le Requiem. Ouais, on peut faire ça. Il prenne comme ça, il peut DPS et moi je peux rester sur le mien à distance. Ouais, on peut faire ça comme ça. Donc. Je vais quand même réexpliquer globalement. Alors ici c'est pas trop difficile, ça change pas d'habitude. Je vais prendre le boss, je vais le ramener comme quand on fait le normal dans le coin ici au nord. Dans un premier temps il va juste faire les attaques normales, à la différence que placez-vous, enfin les cacs je ne vous en voudrais pas, mais les distances, placez-vous le plus en bordure de terrain possible pour qu'il va faire des bombes de résine qui vont rester au sol pour pas qu'elles gênent le trajet. Entre moi et Mia, quand il va falloir aller chercher le deuxième, donc essayez de vous poser pas en plein milieu de la salle quand vous DPS. Les CAC, bon tant pis, hein, si vous êtes au CAC, vous prenez une bombe de résine, hein, ça on n'y peut rien. Mais évitez de rester dedans, ça fait 6-4 dégâts par tick, c'est énorme. Les heals sont visés aussi ou pas? Oui, en fait il va y avoir la bombe de résine, il va lancer bombe de résine, j'avertirai. Quand il lance le cast, à ce moment-là, il faut se positionner le mieux possible avant la fin du cast. Quand il finit son cast, il va y avoir une AOE qui va pop à vos pieds, il faut juste en sortir. Mais normalement, t'as le temps d'en sortir, elle est pas si large que ça.
Le DPS, parce que ça ne touche pas les heals, il me semble, je ne sais pas. Si vous avez la sphère rouge au-dessus de votre tête, annoncez-le, que les heals soient prêts à vous l'envoyer du heal. C'est que les DPS. Voilà, c'est que les DPS, donc du coup, si vous avez la marque rouge, signalez-le, dites-le, j'ai la marque. Et ça, au moins, les heals savent vers qui il faut se tourner. Quel heal s'occupe de... Tu veux pas qu'on fasse, par exemple, si c'est S qui a la marque, c'est Eza marque. Ouais, on peut dire, dites votre pseudo et que vous avez la marque, comme ça c'est fait. Alors théoriquement c'est comme ça jusqu'en phase 1, il n'y a rien de différent. Les alarm rooms aussi, ils vont en faire pop 2. Ceux qui vont les prendre, c'est un Fadar, un Antano, puisqu'ils se prennent plus près. Évite donc Sorge, je sais que c'est pas facile, mais Ezo non plus. Évitez de faire une AOE, il faut absolument pas prendre les alarm rooms, ils sont pas retankables par la suite, on peut pas les reprendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est à dire que c'est un par à la room, vu qu'ils vont mettre des stacks à 6, on devient tout petit, on perd tout le DPS qu'on avait. Donc laissez Fadar et Antano en prendre un. Moi je pense qu'on va faire Fadar gauche, Antano droite, c'est le plus simple. Ensuite on verra si on arrive déjà là proprement. Quand le deuxième va pop, ça reste plus la même strat, sauf que tout est multiplié par 2. Donc il y aura plus 2 lasers qui vont viser le sol, mais 4. Il faudra donc que chacun, tous les DPS doivent avoir un à la room, je vous laisserai gérer ça en temps voulu. Donc chaque DPS prend la room de son propre oppresseur et puis on verra si on passe jusque là, si on arrive jusqu'à la phase difficile. Ouais. Vous êtes prêts? Moi je vais juste avoir une question. Vas-y. Au niveau des groupes des DPS, qui va sur le 0.5? Alors comme je disais, sur ceux qui restent sur le mien, ça va être Fadar et toi. Et S. Okay. Et sur le 0.5, c'est Antano Sorja. Ça marche. Anta, pour les bombes résine, ce qu'on fait, c'est qu'on tape tous les deux du même côté, comme ça on peut switcher l'autre. Déplacer les arômes, faites gaffe, ça les ralentit aussi, les résines. Ouais. Oui, n'est pas les dans les zones, sinon ça risque d'être un petit peu difficile. Et c'est pour ça que les zones, essayez de mettre les zones le plus en bordure possible, ça évitera pas mal de soucis. Voilà. Donc si vous êtes tous prêts, on peut tester. Je préviens juste que je passe DPS sur celui-là. Oh non, pas tout de suite. Tant qu'on n'est pas sûr du bazar. De toute façon, on le tombera pas. Là, je suis pas méchant, mais il faut plus de DPS que sur ce que sur le Faust. Voilà, le dernier buff de lui, non, c'est bon, c'est fait. Oui. Attends un peu, Anya, il faut que je la ramène. Tu connais encore ta rotation, Fadar. Tu connais encore ta rotation, Nia? Oh oui, d'accord. Bombe de résine. Alors déploiement d'urgence, les œufs à la roue vont arriver. Il y en a un qui est dans la résine, super. Asayo, tu la marques? Asayo, t'as la marque, ouais. Donc ça peut quand même cibler les heals. Alors on perd le DPS de Fadar. Non, pas encore, ça va tout juste. Oh, ça picote, hein. Alors, on est très mauvais. Faut bien débuter à tout. Oui. Mais je pense que là, il faut de la bouffe de toute façon. Non, nous n'en arrivons pas. Enfin, restons concentrés, on va essayer d'aller le plus loin possible. Missile de 3000 tonnes, donc il va y avoir. Les alarums vont pop, soyez attentifs. Oh, pardon. Allez, je te dis, là le heal il bave. Hein. Prends celui de droite. Ouais. Bombe de résine. Alors, chacun en laser, il doit y en avoir 4 normalement. Merde.
Oh mais il balance toutes les AOE comme par hasard là où il... Oh putain. Il vieillit, c'est des joueurs hein. Eric. Ah bon là c'est mort, wipe. Voilà. On peut y rester. Plasma, super sentinelle. Ça c'est l'attaque difficile. Bon. Comme je disais, avec de l'optimisation de DPS, on est censé arriver en dessous des 60% avant le spawn du deuxième. À combien ? On était à 78%. Ah. Quand il a commencé le déploiement, c'était 78%. En gros, faut faire 18% de DPS en plus. Oh. Même avec de la bouffe, Ouais. Ouais. Par contre, dès qu'il y a le bombe de résine, allez tout de suite sur les côtés. Les ZAD après, passez pas les ZAD tout de suite. Si vous prenez votre alarum, vous allez sur les côtés et vous vous déplacez vers les ZAD. Fais gaffe quand même, hein. Fadar il était à 5 stats tout à l'heure. Ouais, mais c'est comme ça la strat. Ouais, mais le 6ème, tu perds tout ton DPS. Hein. Ouais. Il y a une miniature pendant un bon bout de temps. Je crois que c'est une minute de miniaturisation. En fait, faut le faire courir. Oui, mais là, tu mets des stacks parce qu'il est lié à toi. Donc, que tu sois à 10 km ou pas. Oui. Hein. Hop, c'est parti. Lily, je te laisse un peu le début. Ah, laisse-moi le temps de poule, s'il te plaît. Allez, DPS. Hein. Ici, l'hydrothermique pour Fadar. Sur Sorja, il est en dessous de Fadar. Ouais. C'était pas Fadar. Oui. Ah non, c'est vous hein, quand même, regardez. Normalement, il y a un petit. Si je me souviens bien, vous avez un petit debuff qui s'affiche avec ciblé ou un truc dans le genre. Ah bah, du coup, j'ai pas fait attention pour les autres, je suis désolé. Ok, c'est pas grave. Cours, Anta. Allez, les alarums. Avec ces zones là, ça va être pas. Ouais, ça va être très sportif. Ciblé, missile hydrothermique. Ouf. Le deuxième est là, 75%. Missile de 3000 tonnes. Préparez-vous les alarums. Les alarmes arrivent. Bombe de résine, préparez-vous sur le côté. Ah putain, c'est plus matin. Non, vas-y sur la haute. Double AOE quoi. Ouais, c'est chaud hein. Oui, c'est chaud. Tu veux éviter ça? Alors, missile hydrothermique. Non, mais il y en a deux, hein. Tout est multiplié par deux. Éviter la résine, je ramène mon alarum mais voir là-haut quoi. Plasma hyper comprimé. Oh. Il est fini à combien? 71 et. 65. Ouais, les stacks sont permanents en plus, hein, les stacks de buff des oppresseurs. Donc s'ils en ont un, c'est mort. En plus, moi et Nia, on est condamné à ne pas pouvoir utiliser un seul CD avant la phase des hyper comprimés, quoi. Ah, c'est horrible, en fait. Ouais. Bah, c'est surtout les heals hein, qui pleurent, je pense. Oui. Tout le monde se prend des dégâts en permanence, c'est. Mais je me demande même comment tenir 8 minutes avec le manager là. 8 minutes 30. Oui.
encore plus. C'est comme dans une course cycliste, c'est les 30 dernières secondes. Faut maxier, faut maxier terre. Est-ce que le maxiéter partage le cooldown des potions de buff? Oui, comme tous les, comme toutes les potions. Ça, c'est un peu de la merde. On le sent un petit peu chaud au niveau des potions. Bah après, je pense que Sorja peut confirmer, mais avec une potion de buff, ton DPS il est énormément plus haut, quoi. J'ai utilisé des potions à chaque try sur Faust, hein. Mais t'as le droit qu'à une. Oui, sur Faust, oui, mais ici t'as le droit à deux. Oui, mais bon. Enfin, si on arrive jusque là, t'as le droit à deux. Tu prends. Bah, c'est bien simple, hein. Je prends quasiment 1%, 10% de mon DPS en plus. Que je gagne 84 et je suis à 1000, plus de 1000, donc. Je pense que pour arriver aux 58% idéaux pour faire ce truc-ci. Il faudrait que tout le monde ait une potion. Potion. Et tu tapes la pop. Tout le monde tape sa popo en début de combat pour descendre l'oppresseur et puis en fin de combat. Oui, averti. Mais on l'a dit. On fera des knackis. Bon, allez, concentré. C'est surtout les Alarum hein, qui font un peu chier. Alors, marque sur quelqu'un. Je suis pas si bonne. Bazar à photon. Il va pas tarder à faire une bombe de résine. Bombe de résine. Placez-vous bien. Ah, là, c'est nickel. C'est impeccable. Merde. Les alarmes vont pop. Missile thermodynamique, quelqu'un est ciblé. C'est ça, je pense. Ouais, ouais, c'est moi, pardon. Ouais, je suis pas ciblé. Très bien, raison. Ah, en fait, il y avait tous les buffs en l'étant, je l'ai pas vu arriver. Alors on est vachement mieux tout à l'heure. Ici de 3000 tonnes, vérifiez où sont les lasers, comme ça vous saurez déjà où aller placer les alarums. Déploiement d'urgence, voilà les alarums. Préparez-vous, il va y avoir votre bombe de résine. Est-ce la bombe de résine? Bah, il y a des points, il faut les trouver. Ouais, non, mais j'étais. Ce qui est à quel point qui va qui. Missile hydrothermique qui permet de viser. On est un aussi. Occupe-toi de toi, Lily, je m'occupe de moi. Possible. Ouais. Oh putain. Plasma hyper comprimé. Désolé chérie. Niache, j'ai pas de porte heal là. Ah, y'a un missile qui est tombé. Sans être réduit. Ah, plus de mana. Je veux bien faire que j'ai la même chose. Ah mon dieu. J'ai plus de pété. Ah, plus de vie. Bon, ça va, on arrive plus loin. On arrive un peu plus loin. Alors ah, bah, ici, on se met tous ici. Là où je suis, là où je suis, important. Vite. Allez, dès que les bombes de résine tournent, allez, on avance. Ça va être où? Ici. Fais tout le tour de la map. Tant qu'il y a des bombes de résine, tu te poses. En fait, il faut avancer un tout petit peu moins vite. Hein. Oui, oui, il faut avancer plus en board AOE, mais bon, t'as vu l'état du groupe. Au moins, on a vu cette phase-là, c'est une des plus dures.
Non, la plus dure c'était celle où je me suis fait des dégâts avec Nia. Là c'est un peu plus chaud. Les plasmas hyper comprimés, là c'est là que le heal pleure. Parce qu'en fait, je t'explique, le laser il pleure comprimé. Ce qui se passe, ben, en fait il est arrivé une fois. Toi et Lily vous avez pris le missile. Donc là c'est à dire que vous allez devoir healer fortement au moins deux personnes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Juste pendant ce temps là, pendant que eux se prennent des dégâts, moi et Nia on va se prendre une attaque qui est censée nous one shot. Oui, mais là c'est là où je t'ai claqué la béné sur toi en fait. Non, tu m'as claqué la béné avant l'attaque qui est censée one shot. L'attaque est venue juste après. Ouais. J'ai... Ah oui, mais j'ai dû claquer 3 CD, hein. Rempart, Sentinelle et Convalescence. Hein. Ah là là. C'est Convalescence pour que le hit derrière soit plus fort. Bah, sur une béné, tu peux pas vraiment, mais. Non, sur une béné, non, mais sur les soins à bras. Ah oui. Je me suis dit, là, c'est la catastrophe, la béné est partie avant l'attaque. Là, t'avais plus de vie et je voulais pas que tu meurs. Ah non, non, bien sûr. Bien sûr. Et là, c'est, on a eu manque de bol, c'est les deux heals qui se sont pris. Le missile, quoi. Mais je pense que tu peux vraiment te voir l'importance de payer 30k pour acheter de la bouffe et des potions pour les prochains trails. Peut-être, je pense. Vas-y, c'est sûr. Parfait. Donc la bouffe coûte beaucoup plus cher que ça, quoi. Oui. Ce que je veux, 130, hein. Missile hyper dynamique, ouais, j'ai cible. C'est moi, Sorja. Ah putain, ouais. Je suis désolé, Sorja. C'est vrai. Mais en tâche, pourquoi tu prends autant de dégâts juste? La question que je me suis posée. J'en ai absolument aucune. Bombe de résine. Oh, qu'elles sont bien placées. Ça va, là, ouais. Elles sont pas trop mal mises. Y'a mieux, mais y'a pire. Ok. Des pommes d'urgence, les alarmes vont arriver. Hyper dynamique, quelqu'un va être ciblé. Oui. Nia. Ouais, Nia. Pas mourir, hein. Je perds tout le DPS, hein. Toutes tes rotations, tout le cycle. Hein. Ouais, t'inquiète pas, on va juste essayer d'arriver le plus loin possible. Tu vois bien que ça tombera pas aujourd'hui de toute façon. Le deuxième est arrivé, on est moins bien que tout à l'heure. Mais bon, il y a Sarge qui est mort. Ici le 3000 tonnes, repérer où ça va tomber. Ah bah les deux sont à côté, tu vois. Faudrait que tu te décales. Déploiement d'urgence, voilà déjà les alarmes. Eh, fais gaffe à la flaque. Ouais, je sais. Bombe de réveil. Oh, j'ai pris quoi? Missile hyper dynamique. Asayo aussi. Ah mais là c'est mort. Asayo va être miniaturisé. Voilà, il est miniaturisé. Il me dira miniaturisé. Plasma hyper comprimé, voilà. C'est cette attaque là qui est ça, c'est one shot. Elle enchaîne successivement 20 000 et 19 000. En fait, t'es obligé de claquer une. Je suis obligé de claquer tout le mais c'est la rotation à Enya la même, je pense. Enfin, pas la même, le même genre. Mais... C'est globalement la rotation sur le premier pour moi, c'est rempart, sentinelle, convalescence. Sur le deuxième, c'est invincible. Sur le troisième, c'est rempart, sentinelle, convalescence. Et sur le troisième, c'est rempart, sentinelle. J'aurais juste une recommandation sur les alarums, enfin les merdes. Je sais pas comment tout le monde fait, mais en gros, faudrait le prendre à un endroit extérieur du laser, pas au niveau du laser, le DPS à part, et dès que les bombes pop amènent au laser, on a plus qu'un coup à oui, évidemment. Il faut pas amener les alarums tout de suite sous le laser, c'est un peu bonne raison, il y a une bombe de résine avant. Ouais. Et donc c'est hors de question que la résine et soit posée sur le laser. Et il faut éviter, juste après la bombe de résine, il fait les AOE, quoi. Ouais. Les AOE. En ligne, quoi. Tout est timé, hein, il y a moyen de tout prévoir.
Pourquoi Kader il a pas de cuirasse? Je suis arrivé en retard. Bravo. Je vais avoir une médaille. Une médaille à 5 branches. Oh. Enfin, bon, attends, on va dans le... Ah, non. Non. On va la voir. Aïe. Laissez ça rapprocher la grande. Voyez-le. Fais qu'en voyez. J'ai la marque. Je suis déjà dessus. Lily au côté de Sarah. Le phaser, il va y avoir une bombe de résine bientôt. Bombe de résine. Là, ils sont beaucoup mieux placés que tout à l'heure. À chaque fois que je suis tenté de mettre mon CD de défense, je me rappelle que non. Déploiement d'urgence, les alarmes vont pop. Soit là, par contre, il me semble que vous pouvez les déployer tout de suite. Missile thermodynamique. Moi, je m'occupe de moi-même. Le deuxième arrive à 70%. Faut faire 10% de plus au dimanche prochain. Enfin, au week-end prochain. Déploiement d'urgence, voilà les alarums, les mettez pas tout de suite en dessous. Ah oui d'abord. Bombe de résine. Non, je sais pas. Oh, mais... ouais, on a fail sur un truc ici. Ouais. Alors missile hypodynamique sur ce. Il y a deux personnes hein, ici. J'en ai un. Oh, je suis devenu mini. Hein. Ouais, moi aussi. Il faut y aller plus vite hein, sur les alarmes. On va mourir. Plasma hyper comprimé. Ouais, bah, c'est... Il a un shot. J'avais lancé tous les shields. Ils étaient buffés ou pas? Avec l'art ténébreux. Ah ouais, tout était là. Bah, moi, ils m'ont pas one shot. Par contre, moi je vais vous laisser. Oui, de toute façon, on va s'arrêter là, je pense. Il reste 21 minutes. C'était sympa, de toute façon, on a pu tâter jusque la fin de la phase 1. Ouais. Donc, jusque-là, on voit ce que ça donne. Mais moi, je pense clairement il faut optimiser plus le groupe. C'est-à-dire que je pense qu'il faut remplacer un dragoon par un autre cac. De préférence, j'aimerais bien un ninja. Dans le sens où un ninja, ça permettrait de mettre la vulné. Après, ce n'est que mon avis. Voilà. Non, ça envoie quand même. Hein. Oui, ça envoie. Oh. C'est... Oh, niveau heal, c'est une violence. Ah, mais, tu...